Hello mes Wapis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, cette fois-ci pour l'année 2021. Le seul challenge que j'effectue cette année pour ma part, je pense qu'il n'y aura pas de code Winter Challenge pour moi et du coup c'est ce challenge que je chéris particulièrement. Et puis l'automne pour ma part est la saison où je lis le plus et où j'apprécie le plus la lecture. Donc voilà, j'ai tout plein de livres là qui s'étalent autour de moi, beaucoup trop pour ce que je vais lire je pense, mais au moins j'aurai le choix et quels seront les heureux élus, je ne sais pas encore, mais voilà, je compte piocher dans cette pile à lire qui m'inspire énormément, donc j'espère à votre tour que vous pourriez y piocher quelques petits titres, des idées et peut-être des découvertes également. Donc allez, c'est parti, on se lance parce qu'il y a quand même beaucoup de catégories. Et comme d'habitude, le fond d'écran ici va nous accompagner, non pas cette fois-ci pour la vidéo entière, mais pour le menu automne frissonnant. On changera d'ambiance par la suite. Et la première sous-catégorie de ce menu s'appelle Gare, gare à la main de gloire. Et là, les thèmes sont le thriller, le policier, l'épouvante, l'horreur. Voilà, on est dans cette thématique un petit peu effrayante, je dirais. Vous savez que c'est pas trop ma tasse de thé personnellement, je lis très peu de polars ou autres, donc j'ai misé sur deux petits mangas, voilà, les suites de Ajin que j'avais en plus lu dans le Pumpkin Autumn Challenge l'année dernière, donc ça tombe très bien. Donc pour moi ça sera le tome 2 et 3 de Ajin, ça me permet de continuer ma saga, c'est vraiment totalement dans l'ambiance, on est dans ce registre un petit peu... épouvante je dirais sur ce manga et c'est très prenant, c'est très cool. Toujours dans cette sous-catégorie, je pense que Jizo fait très bien l'affaire, on y retrouve là apparemment une ambiance qui est assez mystique, assez épouvante je dirais, pas horrifique mais bon qui est assez glauque aussi, donc je pense que ce livre-ci fera très bien l'affaire, on est aussi sur du manga qui me fait très envie, donc clairement je pense que ça va être très cool. Et pour mettre un livre, je pense, qui est le plus policier de ma pile à lire, je mets donc Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, en plus qu'il me tarde énormément de découvrir. De ce que j'ai pu comprendre, on est quand même dans la thématique du policier puisque la fameuse Evelyn Hardcastle a été assassinée et qu'on va essayer de retrouver le tueur, donc par plein de stratagèmes. Je ne sais vraiment pas comment s'articule ce roman et comment va évoluer l'histoire, si vraiment c'est très policier ou très peu en fait, hein, mais du coup c'est le plus thriller que je peux avoir dans ma pile à lire, donc je l'ai mis dans cette catégorie forcément. Ensuite sur la deuxième sous-catégorie on a le titre Double Double Toil and Trouble, pas facile à dire clairement, et là on a les thèmes sorcières, clairement moi je me suis axée sur le thème sorcière, mais on peut également partir sur pièces de théâtre, prophétie, tragédie, donc c'est assez vaste mais je me suis clairement orientée sur le mot sorcière pour ma part, en choisissant bien entendu le Feu de la Sorcière, le premier tome de la saga Les Bannis et les Proscrits que j'avais déjà mis dans ma pile à lire de l'année dernière. Oui mais non mais vous ne rêvez pas. Ou alors je l'avais mis dans une autre pile, je me rappelle plus, mais clairement c'est absolument parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge, il y a tous les codes, donc voilà, là on est sur clairement... une jeune femme qui va découvrir que c'est une sorcière et qui va un petit peu essayer de maîtriser tous ses pouvoirs, qui est suivie par les forces du mal, enfin voilà, on a tout un truc qui va très bien avec le thème, donc c'est parfait. Et également j'ai choisi Un bûcher sous la neige, qu'on ne voit pas très bien ici, mais un livre de la pile à lire qui me fait... clairement très envie, où là on suit je crois une femme qui est accusée de sorcellerie, qui est emprisonnée, ça se passe en Écosse dans les Highlands, il paraît qu'on suit les états d'âme donc du coup de cette sorcière enfermée, qui a une atmosphère et une humidité assez palpable, mais en même temps que c'est très beau, que c'est très contemplatif. Voilà, c'est un livre qui me fait vraiment énormément envie, dont j'ai entendu beaucoup de bien, donc clairement il est pépite dans ce thème, parfait. Et dans la même catégorie, j'espère et vraiment je compte me procurer ce petit manga Eden, l'Éden de la sorcière. Il y a également le mot sorcière, je pense que l'univers et l'ambiance de ce bouquin peut parfaitement coller à cette sous-catégorie. Donc voilà, j'espère me le procurer, est-ce que ça sera possible ou pas dans les mois à venir, je l'espère, croisons les doigts. Ensuite on est toujours dans automne frissonnant, mais on passe à la dernière sous-catégorie qui est là, le folklore de Chipenden. Alors Chipenden, je crois que c'est dans la saga L'Épouvanteur. Je ne l'ai pas dans ma pile à lire, donc je ne vais pas l'acheter exprès, mais me focaliser sur tout ce que j'ai à lire de magnifique. Donc là, on est en plus dans des thèmes où il y a énormément de livres qui peuvent rentrer dedans. J'ai dû faire des choix, mais on est sur la fantaisie, fantastique, dans sa globalité et dans sa grande généralité, créatures surnaturelles, vous voyez tout ça, donc plein de livres qui rentrent dedans. J'en ai choisi 3, donc à savoir, et pour commencer, Nevermoor, donc là on est dans un livre de fantasy fantastique, j'imagine bien, avec une sorte de prophétie je crois en plus, enfin voilà, ça m'inspire énormément, c'est un young adulte je pense. Et voilà, j'ai trop hâte de le découvrir, on est pile poil dans un univers et dans un monde complètement différent d'une autre, imaginaire, c'est absolument parfait. Ensuite, tout récemment acheté, j'ai choisi de mettre dans cette catégorie l'histoire sans fin de Michael Ende, que j'ai très envie de découvrir. Ici on est sur un classique de la littérature jeunesse, pareil, dans un monde imaginaire avec plein de créatures surnaturelles, donc ça fera parfaitement l'affaire puisqu'on a plein de mots-clés qui sont valables pour ce roman-ci, donc c'est absolument parfait. Et enfin ensuite j'ai décidé de poursuivre L'Enfant et le Maudit, je vous montre ici le tome 8, mais vous le savez je vous le rabâche tout le temps, mon objectif à moi est de lire cette saga sur 11 jours du coup. Le tome 11 sort en fin d'année, donc je ne sais plus si vraiment les dates correspondent au Pumpkin Autumn Challenge. Peu importe, j'espère me remettre tout doucement dans l'ambiance pour après lire le dernier tome quand il sortira. Et ça pourrait être vraiment, vraiment cool. L'Enfant et le Maudit, lisez-le. Et cette fois-ci, on passe au deuxième menu qui est donc Automne, douceur de vivre, avec cette ambiance si particulière de l'automne. Et là, on a 4 menus, dont un... sous-menu pardon, dont un où je vais complètement m'orienter sur les films, et c'est le premier menu. Il s'intitule It's Just a Bank of Hocus Pocus et on doit parler d'automne, d'Halloween, Salem, et clairement j'ai aucun ouvrage consacré vraiment à la période d'Halloween, qui se passe à Halloween ou qui gravite autour de cette période. J'ai pas non plus de livre consacré à l'automne, donc voilà, en sachant qu'il y a le panier lecture qui normalement doit être sur le thème de l'automne et des lectures tournant autour d'Halloween, je pense que je pourrais en caser dans ce menu là, mais sinon clairement je joue le Joker film à fond pour moi, j'espère explorer plein de pistes différentes, de découvrir plein de films qui tournent autour d'Halloween que j'ai pas encore vu, donc clairement j'adore ça. Ensuite pour le deuxième sous-menu je vous propose de lire ma fiche parce que j'arrive pas à retenir toute cette phrase. Et hey, Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gitio Picanja, un truc du genre, hein. On va passer sur la prononciation. Et là on est sur les mots-clés parcours initiatique, jeunesse notamment, mais également nourriture. C'est pourquoi j'espère, je croise les doigts, mais j'aimerais beaucoup me procurer ce petit manga Soupinou qui je crois tourne beaucoup autour de la nourriture, de petites recettes, de plats à partager. Donc c'est vraiment un ouvrage que j'ai très envie de découvrir et qui pourrait se prolonger si ça me plaît sur les mois d'hiver et tout, parce que ça, ça se prête très très bien à ces ambiances là, très réconfortantes en fait. Donc pourquoi pas. Mais sinon dans cette sous-catégorie moi j'ai mis 2 ouvrages jeunesse, à commencer par celui-ci, et c'est comme ça qu'on a décidé de tuer mon oncle de Rohan O'Grady chez Monsieur Toussaint l'ouverture, ce magnifique livre tout vert là, j'aime beaucoup trop, et il paraît que c'est également très drôle, donc ça pourrait rentrer dans d'autres catégories, mais clairement... voilà, c'est un ouvrage jeunesse, un petit classique de la littérature canadienne. Je suis très 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 curieuse de découvrir ce titre, j'espère que je vais apprécier et adhérer à l'humour et à l'histoire. De la même manière, j'ai choisi un second jeunesse, ici Le Château des Papayes de Sarah Pennypacker. L'année dernière, pour le même challenge, j'ai lu Pax de la même autrice que j'avais adoré, vraiment, que ce soit la plume, l'histoire, l'émotion, tout m'avait énormément touchée. Je me dis que la rencontre de ces 2 jeunes enfants, moi je crois que c'est des enfants, hein, et leurs aventures un petit peu reclus comme ça dans ce refuge improbable qu'ils se trouvent dans la nature, je pense que ça peut vraiment me plaire, donc voilà, c'est parfait. Ensuite on passe au troisième sous-menu, il suffit de se souvenir de rallumer la lumière, j'espère que vous avez la ref. Ici on est sur les thèmes feel good, émotion, voilà, c'est vraiment... santé mentale également, donc c'est très intéressant, et je pense que c'est mon menu préféré, mon sous-menu préféré, parce que je compte lire Anne de Redmond, le 3e tome de ma saga d'amour préférée. C'est la suite de Anne de Green Gables et de Anne d'Avonlea, vous le savez, je n'arrête pas dans chacune de mes vidéos de vous encourager à lire Anne de Green Gables notamment, hein, commencez par ça. Du coup voici, on est au 3e tome, je viens de le recevoir, vous voyez qu'il est encore sous blister. Il est tout fraîchement sorti là fin août, donc voilà, j'ai hâte et je vais me le lire en lecture commune avec Mad Girl with the Book et June Wonderland si tout se passe bien. On a vraiment juste trop hâte de commencer cette lecture. Je pense que j'attends minimum mi-septembre pour être dans une petite ambiance chaleureuse, cocoon. Et j'ai hâte de me poser avec ce livre. Vous n'avez même pas idée. Alors pour le côté feel good, quoique je suis pas sûre de moi, hein, j'ai choisi Tout le Bleu du Ciel de Melissa d'Acosta. C'est un beau bébé. Et même si apparemment il est quand même assez triste ce bouquin, il paraît qu'il fait énormément de bien. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie, parce qu'on y parle aussi de santé mentale. Donc du coup je me suis dit que ça collait plutôt bien et que voilà, malgré des passages qui risquent de mettre la larme à l'œil à plusieurs reprises je pense, il s'en dégage quand même du positif, donc je pense que c'est bien. Et celui-ci aussi, Escale à Yokohama, le tome 3, j'ai lu les deux premiers tomes, c'est un coup de cœur, j'adore, c'est du tranche de vie manga, feel good au possible, c'est bienveillant, c'est magnifique. Donc voilà, là je joue à fond la carte feel good, même si ce manga peut rentrer dans plein de catégories, ça fait du bien. Et enfin pour la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Et là on va explorer les mots-clés anthropomorphisme, animaux, on peut également se porter sur de l'illustré ou des ouvrages humoristiques. Moi j'ai choisi de partir sur l'anthropomorphisme et les animaux avec Demain les chiens, qui est un roman SF que j'ai vraiment très envie de lire. Je l'ai mis dans plusieurs piles à lire sans jamais me pencher dessus. Vous voyez là c'est un petit peu anthropomorphique, mais c'est l'idée en fait, c'est des chiens qui prennent la place des humains dans la société, ils s'élèvent au rang des humains et voilà, ça pose tout un tas de questions un petit peu peut-être philosophiques et tout. C'est un roman d'anticipation aussi, je pense beaucoup, mais du coup il rentre dans une autre catégorie parfaitement. Mais voilà, j'ai joué sur un petit peu aussi la couve hein, anthropomorphique, donc voilà, c'est parfait. Dans cette sous-catégorie, je croise les doigts, mais j'espère finir Viking Cat 2 qui est sur ma liseuse, et c'est clairement ce format qui fait que je l'ai toujours pas terminé, parce que je pêche un petit peu à prendre ma liseuse. Je vous avoue que le plaisir est quand même moins intense que sur une lecture papier, même si franchement quand j'y suis je me régale, hein, je lis, mais j'ai du mal à y aller en fait. Clairement, quand je suis pas en déplacement, en voyage ou autre, ben je vais pas naturellement chez moi sur la liseuse. Donc bon, vu que les déplacements ces derniers temps sont quand même assez limités, hein, ça fait quand même maintenant un bon moment qu'ils sont limités, bah voilà, je vais pas spontanément sur ma liseuse, donc c'est dommage. Mais j'espère le terminer, parce que là clairement on est pile poil dans le thème, ce sont des chats anthropomorphes, vikings, enfin... c'est fun, c'est jeunesse, c'est vraiment trop cool, donc voilà, j'aimerais bien le terminer. Et enfin, si tout se passe bien, je serai actuellement en train de lire, à ce moment où vous voyez la vidéo, Watership Down. Les héros principaux sont des lapins, donc je pense le finir tout début septembre. Au moment où vous voyez cette vidéo, je l'aurai certainement pas terminé au vu de mon rythme, mais quand même, je pense qu'il rentre parfaitement. Et en plus, il est à cheval, pile à lire solaire pour moi, et Pumpkin Autumn Challenge, donc c'est absolument parfait. Et c'est ensuite cette ambiance un petit peu enchanteresse qui va nous accompagner justement pour le troisième menu, Automne Enchanteur. Et là, on part directement sur le deuxième menu où je n'ai pas grand chose, clairement. J'ai mis aucun livre, je compte partir sur... les jeux vidéo principalement, et aussi les films, mais sachant qu'il y a le panier lecture d'octobre qui devrait tourner autour de cette ambiance automnale, je pense que je pourrais peut-être piocher des titres dans mon panier lecture qui irait directement dans cette sous-catégorie, ça serait parfait. Donc elle s'intitule La lunette de pierre, c'est extra, quand on peut voir ce qui ne se voit pas, quand on veut voir ce qui ne se voit pas je crois, et donc on doit explorer forcément ce qui ne se voit pas, le petit peuple, les fées. Et voilà, tout ce qui tourne aussi autour de l'automne de manière générale. Je crois qu'automne est un mot-clé, donc voilà. Et j'ai pas d'ouvrage en particulier là-dessus, c'est bien dommage, donc voilà, je verrai ce que je fais. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, je l'adore, Nom d'une dune, référence au livre que je n'aimais pas, mais qui me tente bien, cela dit. On est sur un menu que j'adore, une sous-catégorie que j'adore, parce qu'on explore les thèmes écologie, post-apocalyptique, vous voyez un petit peu cette ambiance science-fiction également, donc c'est parfait, également roman d'anticipation. Donc j'ai décidé de lire La Horde du Contrevent de Alain Damasio, c'est un beau bébé, mais franchement je trouve que c'est parfait pour le sortir maintenant, parce qu'il paraît que c'est un roman de SF maintenant très connu, très apprécié, qui est très haletant, et voilà, il paraît que c'est prenant, qu'on ne peut pas le lâcher quand on y est. Donc je me dis allez, si on se lance, ça peut être vraiment cool. J'ai hâte, franchement j'ai hâte. Ensuite, je vous bassine avec cette lecture, mais comme jamais. J'espère enfin découvrir la 5e saison, le premier tome de la saga Les livres de la terre fracturée de N.K. Jemisim. Je vous le rabâche en permanence que j'ai envie de lire ce livre, donc je pense que là c'est le moment parfait. C'est un peu un roman d'anticipation post-apo, je dirais, donc on est pile poil dans le thème, c'est de la science-fiction, de la post-apo, donc let's go, c'est le moment. Et enfin, plus orienté sur le mot-clé écologie, j'ai choisi Alpi, le tome 4 ici pour moi. Une saga qui est très orientée autour des questionnements et de la protection de la planète, de l'écologie, même si ça ne se passe pas dans notre monde, mais l'idée est là en fait, hein, c'est vraiment l'éveil à l'environnement, la protection. Mais voilà, du coup l'environnement, l'écologie est quand même au centre de ce manga en thème principal, donc je pense que c'est parfait pour cette sous-catégorie. Et enfin, la dernière sous-catégorie de Automne Enchanteur s'intitule Princesse, Princesse, et là on parle d'inclusivité, de LGBTQI+, de féminisme également, voilà, des mots-clés assez forts, et j'ai décidé donc de lire, ne tombe pas toi, de lire Le bleu est une couleur chaude de Julie Marot, voilà, c'est la BD, l'ouvrage qui a inspiré la vie d'Adèle, donc là on va y parler d'une histoire d'amour entre deux femmes, ça a l'air vraiment absolument magnifique. J'ai déjà vu le film, hein, à vrai dire, mais je n'avais pas compris en me prenant l'ouvrage que c'était ce qui avait inspiré le film en fait. Donc voilà, je pense que ça va être très joli à découvrir sous ce format-là. C'est une grande BD, vous voyez, au format un petit peu souple. Et c'est très très beau visuellement, avec ces touches de bleu justement, tout en noir et blanc, même un petit peu sépia je dirais. Plus sépia que noir et blanc, et les cheveux bleus de la jeune fille du coup. C'est très très beau. Mais également côté féminisme, un livre qui met au cœur l'histoire d'une femme importante. Moi j'ai choisi Mary Stuart de Stefan Zweig. J'ai vraiment très envie de découvrir plus en détail les œuvres de Stefan Zweig. J'avais eu un vrai coup de cœur pour le seul livre de lui que j'ai lu, Les 24 heures de la vie d'une femme, j'avais trop aimé. Et du coup, Mary Stuart, qui est un personnage de l'histoire qui m'intéresse énormément, dont j'ai vraiment envie d'apprendre beaucoup plus de choses, c'est parfait. On est parfait pour la catégorie là. Je suis parfaite pour cette catégorie. On est bon, hein Marie? Allez. Du coup, on passe à la prochaine catégorie. L'automne des mystères, avec cette ambiance cabinet de curiosité et enquête. Tout ça, c'est très bien pensé je trouve. C'est le menu emblématique de cette édition du Pumpkin Autumn Challenge. Et franchement, il m'inspire énormément. Alors, la première catégorie s'appelle le destin perdu et les mots-clés sont temps, puzzle, horloge. Vous voyez tout ce qui tourne un petit peu autour du temps, mais également historique. Bah forcément, hein, on retourne dans une autre période historique, ça marche aussi très bien. Ici, j'ai sélectionné que deux livres. Celui-ci, qui est dans ma pile à lire depuis un long moment. Je vais d'ailleurs peut-être remplacer la tapisserie de Fiona Navarre qui était dans mon Big Challenge à moi comme le livre le plus ancien de ma palle. Non, je vous dis des bêtises, comme le livre qui me fait le moins envie de ma pile à lire. Clairement, celui-ci est un des livres qui me fait le moins envie, mais pourtant quand je lis le résumé, ça me donne trop envie. Et puis là, on a le mot « temps » dans le titre. Et dans le résumé, on a le mot puzzle, donc c'est parfait pour cette catégorie. Je pense qu'on est pile poil dans l'ambiance et je pense que c'est vraiment pas mal. Je pense que c'est réellement pas mal, mais la couverture est dégueulasse, je la trouve infâme, vraiment immonde. Quand j'ai le résumé, ça m'inspire, mais vraiment que comme ça quoi. Donc voilà, je vais peut-être du coup faire un switch dans mon Big 12 Challenge perso pour pouvoir le compléter. Donc on va voir. Et enfin, je pars sur toujours mon Big 12 Challenge, comme ça je complète un petit peu. Anne Frank, voilà, qui est lui, je crois, le livre le plus ancien de ma pile à lire. Voilà, je crois que c'est ça, puisqu'il est à ma sœur. Il est vraiment très 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 ancien et voilà, vous voyez, il est un petit peu abîmé, mais je l'adore, je le trouve trop beau. Il faudra que je lui rende, hein, mais... quand je l'aurai lu du coup. Et voilà, c'est le journal d'Anne Frank, un ouvrage très connu. On est sur la Seconde Guerre mondiale, donc voilà, je pars dans une autre période historique et j'ai vraiment hâte de le découvrir celui-ci. Ensuite, on part sur la seconde sous-catégorie qui s'appelle les ruines d'Atlantide. Et là on part sur des contes philosophiques, contes moraux, récits métaphoriques un petit peu, donc voilà, il y a plein de choses, et également mythes et légendes. Également, c'est bien pour ça que j'ai choisi de mettre dans cette pile à lire Percy Jackson, le voleur de foudre de Rick Riordan. C'est un emblème de la jeunesse. Moi j'ai toujours pas découvert cette histoire, j'ai pas vu les films et je crois que c'est bien mieux parce que ça m'a pas l'air terrible du tout, mais il paraît que les livres sont quand même super et moi pour avoir découvert Rick Riordan avec sa série apparemment la moins appréciée, ben je pense que quand même Percy Jackson devrait me plaire. Voilà, on est pile dans les mythologies là, je pense que ça peut être que fun quoi, que cool, et j'avais bien adhéré à son écriture donc je vois pas pourquoi ça me plairait pas en fait. Dans cette catégorie, du coup, parfaitement aussi dans mon Big 12 Challenge, eh bien, Les fleurs du mal de Baudelaire. Voilà, hein, une sorte de... ouais, c'est pas un conte, mais c'est des poèmes un petit peu moraux comme ça, un petit peu philosophiques, qui nous poussent à la réflexion. J'ai très hâte de lire, c'est un des livres préférés de ma maman, donc il faut que je le découvre. Et toujours dans cette même catégorie, j'ai mis ce petit manga, donc à chaque fois je le prends à l'envers, Le Jardin des Illusions, qui sont plein de petites nouvelles autour de plein de thèmes différents. Je me suis dit que ça pouvait bien coller, que ça serait très beau, très onirique et un petit peu peut-être philosophique, je ne sais pas. Donc voilà, je pense qu'il peut bien coller, mais ça me plaît bien de le mettre dans cette sous-catégorie. Ensuite, on a la troisième et avant-dernière sous-catégorie. Après, ça sera la fin de cette vidéo. On a en avant Yvette Tempête. Et là, on doit se focaliser sur les mots aventure, voyage, archéologie. Enfin, on a tout ça, en fait. Ça peut être vraiment très varié. J'ai décidé de lire Letterby, ce manga qui m'a été recommandé par Julie de AFK Manga. Et que j'ai vraiment très hâte de découvrir. Ça a l'air trop beau et ça a l'air d'être vraiment une aventure très complexe, très riche, et j'ai hâte en fait, voilà, de me plonger dans l'aventure de ces... c'est des... Ah mince, c'est quoi leur... C'est des agents postaux, voilà, punaise, j'allais dire facteurs, mais je savais que c'était pas vraiment le terme approprié. Voilà, c'est des agents postaux en fait qui sont très spéciaux, les Letterby, et donc qui ont des bons de livraison, donc les aventures vont être vraiment diverses et variées. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de voyages, donc c'est pour ça que je l'avais mis dans cette catégorie. Je pense qu'on va beaucoup bouger dans ce manga-ci, donc j'ai trop hâte de le découvrir. Et j'ai également mis celui-ci, alors je vous avoue que je l'ai rajouté au dernier moment, je sais pas trop du coup si je le mettrai ou pas. C'est un Robin Hobb, c'est le seul Robin Hobb que je possède pour l'instant, je le possède depuis une éternité et je me suis jamais lancée, c'est La Déchirure. Le premier tome de la saga, le soldat chaman. Je crois que ça parle un petit peu de trans-chamanique, de magie, mais également de périple en fait, de voyage. Je pense qu'on y suit vraiment une aventure particulière avec ce jeune garçon, peut-être un récit initiatique aussi. Donc voilà, je l'ai mis là parce que je savais pas trop où le mettre, même s'il rentre dans la catégorie fantasy, fantastique, clairement, mais... Bon, voilà, je ne sais pas trop, et d'un côté ça me tente, j'ai bien envie, et je me dis que si j'adhère à ce livre-là, il y a de fortes chances que j'aime beaucoup les autres œuvres plus connues de Robin Hobb, donc voilà, pourquoi pas. Et la dernière catégorie de ce menu, et donc de ce challenge et de cette palle, on est sur le thème cabinet de curiosité, voilà, le thème principal et exclusif à ce Pumpkin Autumn Challenge 2021. Là on est sur des thèmes hyper cool, art, science, étrangeté, singularité, étrangeté, à quoi je pense étrangeté? Les ferrailleurs, mais oui, vous savez, j'avais eu un énorme coup de cœur, mais je fais tout tomber. Un énorme coup de cœur pour Le Château, le tome 1 en fait. C'est donc une trilogie et je me suis procuré il y a assez peu de temps Le Faubourg, le tome 2 qui me manquait. J'ai également la suite qui s'appelle La Ville. Donc voilà, j'ai vraiment qu'une hâte, c'est de poursuivre. On est pile dans ce côté étrange, c'est loufoque, c'est beaucoup de singularité aussi dans ce livre. Donc voilà, c'est un livre qui est illustré, c'est trop beau et franchement j'ai hâte de connaître la suite. Et voilà, si vous aimez Tim Burton, ça peut vous plaire. Et ensuite, je me suis focalisée sur deux ouvrages scientifiques. Donc, enfin, scientifique, c'est un roman, mais plus à vocation scientifique. C'est Une brève histoire de temps de Stephen Hawking. Apparemment, Stephen Hawking a rendu ça très ludique et il est de toute manière très pédagogue. Donc, je pense que ça va être abordable et que ça va m'apprendre plein de choses. Et de la même manière, j'aimerais lire celui-ci qui est un livre à mon chéri, et lui il avait lu et il avait adoré, ça lui avait appris plein de choses et je pense que ça pourrait être cool. C'est Florence Porcel, L'espace sans gravité, et en fait c'est plein d'histoires insolites de l'exploration spatiale, donc je pense que ça peut être vraiment chouette. Je peux peut-être le mettre en, vous savez, en livre de chevet avec Les Fleurs du Mal, comme ça je pense que j'alternerai. Et par exemple, lire une petite nouvelle tous les soirs et hop, je le finis. Hein. Voilà, donc ouais, ou lire une nouvelle tous les jours, une histoire tous les jours. Je pense que ça peut être assez rigolo, assez fun. Et j'adore l'exploration spatiale, donc ça peut vraiment me plaire. Et voilà mes wapis pour ce Pumpkin Autumn Challenge, pour moi en tout cas cette pile à lire. Vous voyez, il y a énormément de choix, donc je ne sais pas sur quoi je vais me porter vraiment, réellement, mais ce qui est sûr, c'est que je vais piocher là-dedans. Ce sont vraiment des livres qui me font envie, qui m'inspirent, et je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Guimauze nous concocte toujours des menus avec tout plein d'ambiances différentes, et c'est ça que j'adore, c'est que c'est très varié, malgré une thématique automnale qui est quand même... particulière, hein, c'est une ambiance à part, bah, elle arrive toujours à nous mettre plein de choses différentes et du coup on n'est pas bloqué dans nos lectures, on n'est pas frustré que sur un seul thème et c'est vraiment super, donc voilà. Je suis trop contente, ça me réjouit de commencer ce nouveau challenge, j'espère que vous aussi vous êtes à fond, j'ai trop hâte de voir un petit peu toutes les piles à lire ici qui vont fleurir sur YouTube, moi je me régale toujours à regarder ces vidéos parce que notamment on note plein d'idées mais aussi on peut comparer, ah trop bien on a celui-là en commun et tout, donc voilà c'est vraiment chouette je trouve, c'est un super challenge, donc j'espère que ça vous aura plu cette vidéo et puis on se retrouve très vite pour de prochaines et peut-être pour une vidéo également recommandation pour le Pumpkin Autumn Challenge avec 2-3 livres que j'ai déjà lus, que j'ai adoré, qui pourraient rentrer dans, dans des catégories, voilà, et qui pourraient peut-être vous inspirer à vous. Donc voilà mes Wapis, après 45 minutes de rush sûrement, Montez froid et moi, on vous laisse et puis je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas de garder en tête que les passions n'ont pas d'âge, alors vivez-les à fond, ciao tout le monde. Thank you.